Aujourd'hui, c'est une très heureuse journée pour l'Institut Bordet avec l'arrivée du premier IRM Linac 1.5 Tesla en Belgique. C'est une machine qui combine l'avantage d'un accélérateur dernière génération très précis avec une IRM au lieu d'un scanner. Pour le positionnement du patient, on fait un scanner avant chaque session. Ici, on peut faire une IRM, donc ce qui nous permet d'être plus précis, mais non seulement plus précis, mais on a aussi la possibilité de faire une adaptation de jour en jour du traitement. Ça veut dire qu'on peut s'adapter au niveau de la tumeur. Quand la tumeur ne répond pas bien au rayon, on peut éventuellement intensifier les traitements pour quand même récupérer et pour avoir plus de chances de guérison. De l'autre côté, si on voit que la tumeur diminue ou que les organes à risque shift ou bougent, on peut adapter aussi dans cette manière-là que les volumes deviennent plus précis et que donc on peut limiter au maximum les effets secondaires pour le patient. À côté de ça, cet IRM a aussi l'avantage qu'on voit vraiment l'activité tumorale de jour en jour et donc en fonction de cette activité, on peut aussi décider s'il faut adapter le traitement ou pas pour le patient pour optimiser de nouveau les chances de guérison.